Pour protester contre la vente du camping municipal. Donc je vais vous faire un petit résumé de l'opposition et puis après on donnera la parole à diverses personnes. Donc pour commencer, merci à ceux aux campeurs qui m'ont apporté leur matériel pour installer ici ce camping du Sénat, devant la mairie. Lieu symbolique, puisque c'est la ville de Fer, la vendue du conseil municipal à la GIA. Donc, je vais aborder deux sujets. Un, la GIA. Deux, le conseil. La GIA. D'abord, je dois préciser que notre action n'est pas dirigée contre la GIA. On n'a rien de spécifique contre la GIA. La GIA, c'est un club de foot populaire qui vient de monter en première division. On comprend très bien qu'il y a des contraintes quand on monte en première division. Il faut qu'ils agrandissent leur tribune, qu'ils sécurisent les entrées et qu'ils fassent arriver leurs supporters des clubs invités dans de bonnes conditions de sécurité. Donc ça, on comprend très bien. Là où on est moins d'accord, c'est sur la façon de faire et sur les projets qui vont être engagés sur le camping municipal. Donc nous appelons à la concertation entre la ville et la GIA de façon à trouver des solutions moins destructrices que celles qui sont prévues. Nous avons nous-mêmes des propositions à faire pour sauvegarder ce camping. Le premier sujet pour la GIA, c'est la sauvegarde de ses tennis. En effet, l'agrandissement, la sécurisation des entrées va se faire sur les tennis, enfin sur certains tennis de la GIA qui sont le plus près possible, le plus près des tribunes. Nous pensons que ces terrains de tennis peuvent être installés autre part que sur la place du camping municipal. Nous pensons notamment que dans le Bacardo Montardouin, il y a de la place, il y a de la place qui va se libérer avec les silos, etc. Et donc dans ce coin-là, c'est tout près de la GIA, il y a de quoi faire des tennis. Pour ce qui est des parkings, nous pensons qu'il faut utiliser les parkings qui sont de l'autre côté de Lyon, qui sont actuellement dévolus à Auxerre Expo, et la GIA a les moyens de faire venir des navettes qui amèneraient les supporters jusqu'au pied des tribunes, sans avoir besoin de garer les cars de supporters sur le camping municipal. Donc il y a d'autres solutions qu'on peut trouver sur les projets de la GIA. Donc au départ, nous avions rencontré M. Malherbe
qui nous a expliqué que il y aurait très peu de construction sur l'emplacement du camping et qui respecterait les normes. En vérité, il y a eu une réunion à la préfecture où le projet a été présenté et on a bien entendu ce qui était prévu réellement. Ce qui est prévu réellement, c'est effectivement sur le terrain du camping des tennis, un parking pour les bus, une billetterie, un hôtel, un clubhouse et une boutique. Donc on est loin de ce que M. Malherbe nous avait présenté, en essayant de nous rassurer. Donc ce projet ne va pas du tout. Parce que ce projet, s'il se réalise, ça veut dire que le camping disparaît entièrement, que tous les arbres vont être coupés, et que la ville d'Auxerre va se retrouver sans camping. Donc, le deuxième sujet, c'est le camping. Le camping municipal qui va disparaître. Ça, nous, on estime que pour une ville touristique comme Auxerre, c'est une vraie catastrophe, parce que où vont aller les touristes qui viennent avec leur tente ou leur caravane s'il n'y a plus de camping à Auxerre? Alors qu'ils amènent chaque année, le camping accueille, il est souvent plein, hein, l'été, accueille beaucoup de gens qui ensuite consomment en ville, ou en restaurant, font des courses, etc. et alimentent le commerce local. C'est donc la suppression du camping, c'est aussi une perte sèche pour les commerçants d'Auxerre. Ensuite, ce camping n'a pas qu'une vocation touristique. Il a aussi une vocation sociale, car nous avons rencontré aussi les gérants du camping qui nous ont expliqué qu'en fait, il y avait beaucoup de jeunes qui viennent en stage ou qui viennent pour des examens, etc. Ils logent au camping parce que c'est moins cher que d'aller dans une chambre d'hôtel. Il y a également des saisonniers, ceux qui viennent pour les cerises ou qui viennent pour les vendanges, qui viennent aussi loger au camping parce que ça fait un hébergement pas cher. Donc il y a une vocation touristique, il y a une vocation sociale, et puis il y a aussi une vocation environnementale. Parce que si vous connaissez le camping, ben, si vous ne le connaissez pas, allez-y. Parce que franchement, c'est spectaculaire. Il y a des arbres magnifiques. Des arbres qui sont très vieux, très grands, très majestueux. Et c'est vraiment un point de verdure vraiment extrêmement beau, bien d'ombre l'été. Et c'est très très agréable pour les campeurs d'avoir comme ça une zone fraîche pour, surtout pour les temps de canicule, pour pouvoir se poser. Donc on a là une zone de fraîcheur qu'il faut absolument préserver. On sait que dans les années qui viennent, les canicules vont se multiplier et que dans les villes notamment, on a de plus en plus chaud parce que tout est bétonné, tout est artificialisé et qu'il faut au contraire planter des arbres. Il ne faut pas supprimer les arbres, il faut planter des arbres. Il faut absolument qu'on crée des zones de fraîcheur dans les villes. Donc le camping, c'est déjà une zone de fraîcheur extrêmement intéressante. Donc pour en finir avec le camping, je finis avec la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, c'est le prix de vente. Ce camping a été vendu pour 308 000 euros. Et 4 hectares, 40 000 mètres carrés, qui nous fait le prix du terrain à 7 euros le mètre. 7 euros le mètre en ville, c'est n'importe quoi. C'est du prix de la terre agricole. À Auxerre, le prix, ça varie de 100 à 150 euros le mètre. Ce qui veut dire que normalement, ce camping, s'il avait été vendu au prix du marché, aurait été vendu 4 millions d'euros. Ce qui veut dire que la ville d'Auxerre perd, avec cette vente, 3,7 millions. C'est énorme. C'est une somme énorme. 3,7 millions, on pourrait faire des tas de projets avec 3,7 millions. Donc là, c'est vraiment le scandale dans le scandale, quand le prix de vente. D'ailleurs, on a porté plainte au tribunal administratif, en s'appuyant notamment sur ce prix de vente, très très inférieur au prix du marché. D'ailleurs, la première audience qu'il y a eu, c'était pour un référé. Le juge a vraiment tiqué en voyant le prix. Il a dit quoi ? 7 euros le mètre, c'est le prix de la terre agricole.
Donc, je pense qu'on peut gagner au tribunal. Si on gagne au tribunal administratif, ne serait-ce que sur cet argument-là, le prix, il va falloir que la vente soit cassée et renégociée éventuellement. Donc, on a bon espoir de gagner au tribunal, que la vente soit cassée et qu'on reparte sur une nouvelle négociation. Et c'est là qu'on appelle à la négociation entre l'AGIA et la ville d'Auxerre, de façon à trouver une solution qui préserve à la fois les intérêts de l'AGIA, les intérêts de la ville, les intérêts des habitants, les intérêts touristiques, les intérêts environnementaux. Donc voilà à peu près le tableau que je peux vous tracer ce soir. Voilà où on est. Le tribunal prend son temps, c'est très très long. On a pour plusieurs mois. Donc, j'espère que ça va aller vite, mais je ne fais pas trop d'illusion parce qu'on a l'habitude de ce genre de procédure. L'hôtel d'agglomération cherche un terrain et cherche un terrain à Champs-sur-Yonne. J'en ai été informé, je suis intervenu au conseil municipal et on m'a intimé l'ordre de me taire. C'est pourquoi, puisqu'il faut se taire, j'ai. Merci de me donner le micro. Voilà. Et mon propos est de souligner l'opacité de gestion de la municipalité d'Auxerre et de la communauté. Sommet de me taire, j'ai rédigé une lettre ouverte aux conseillers communautaires que j'ai distribuée le 30 mai lors du conseil communautaire. Pour une bonne raison, c'est que on se repasse la patate chaude. La ville d'Auxerre a engrangé 308 000 euros, mais ne va pas dépenser les 4 ou 5 millions. Non, ça va être la communauté. Voilà, la ville d'Auxerre abandonne l'idée d'un camping et transfère la compétence à la communauté pour avoir un camping communautaire. Et où ? Au milieu des carrières à Champs-sur-Yonne. Super, voilà. Et la question qui se posait pour moi au départ, c'est pourquoi on n'en parle pas, pourquoi le maire de Vincelles, ils ont un camping à Vincelles, 90 places, c'est insuffisant par rapport à Auxerre. Ça n'est pas un camping pour la ville d'Auxerre, mais ça pourrait être une solution quand même pour accueillir dans la communauté. Eh bien, la communauté d'agglomération a refusé de reprendre le camping de Vincelles, qui est donc à la charge de la commune. La commune de Vincelles doit l'assumer toute seule, et alors elle le fait, mais le maire de Vincelles a découvert que la communauté cherchait un terrain à Champs-sur-Yonne. Alors, un terrain en zone rouge, c'est comme ça que je l'ai découvert, parce qu'on n'a pas le droit de construire un terrain en zone rouge, quand même. Si c'est en zone bleue, il faut avoir des compensations, autant de construction, autant de mètres cubes retirés pour compenser. Et en plus de ça, à Champs-sur-Yonne, dans le coin, c'est juste à l'entrée, dans les terrains qui jouxtent OJ, on a 7 hectares qui sont destinés à devenir zone humide, pour les compensations de la LISA, du détournement. Vous avez vu le terre-plein qu'ils font à l'ancien terrain des gens du voyage. Ils ramènent des mètres cubes de terre, il fallait donc les compenser. Et ils les compensent sur la commune de Champs-sur-Yonne, entre Champs et Augy, dans un lieu-dit le Guéozois, qui sera donc zone humide sur 7 hectares. Et le camping aurait été à côté. Donc, sans concertation, les élus communautaires, les 29 communes, ne sont pas informés, ou peut-être un petit nombre, mais voilà comment on avance. Du coup, comment voulez-vous arriver autrement en conseil communautaire qu'avec un projet ficelé ? On le passe aux voix, on lève la main, ou on donne un bulletin de vote, et c'est passé. Aucune alternative possible. Parce que moi qui suis aussi campeur, je sais que quand je fais des sauts de puce pour visiter, je ne vais pas à 15 km. Donc un camping à Auxerre s'impose, même si un autre camping
pourrait être agrandi, par exemple, à Vincelles et appartenir à la communauté. Donc voilà l'opacité de la gestion. On joue avec les millions d'euros, avec notre argent, l'argent de la communauté. Et voilà à quel titre j'ai voulu intervenir à ce rassemblement. Donc, témoignage de Campeur, heureux d'avoir profité du camping d'Auxerre. Très belle découverte. Arrivés pour une nuit par hasard, nous avons été agréablement surpris. Situé à 1,5 km du centre d'Auxerre, permettant l'accès à pied, l'accueil est très agréable et prévenant. Le parc est absolument magnifique, avec ses arbres remarquables. Les places sont immenses, les sanitaires très bien entretenus, le tout pour un prix très raisonnable. C'est certain, nous reviendrons pour quelques nuits et l'occasion de visiter Auxerre et ses belles rives. Nathalie écrivait « Beaucoup d'arbres, on se place comme on le désire, énormément de Hollandais, très bien placés pour visiter Auxerre, environ 20 euros la nuit. » Témoignage date de 2022-2023. Les témoignages datent de 2022-2023. Accueil très sympa des propriétaires, sanitaires propres, beaux emplacements, accessibilité tranquille à pied d'un petit supermarché où l'on trouve tout ce dont on a besoin. Bon accueil. Sanitaire propre, lieu calme, à 15-20 minutes à pied du centre. Pratique pour les vélos le long de la rivière et du canal du Nivernais. Avec de très grands emplacements, électricité disponible, salle de bain grande, tranquillité maximale, à 15 minutes du centre à pied. Super prix. Emplacement ombragé et nouveau sanitaire. Nous avons passé une bonne nuit. Attention, le camping se remplit rapidement en soirée. Préférable d'arriver vers 17h au plus tard pour avoir le choix de l'emplacement. Et oui, ça attire du monde. Pourtant, on avait cru comprendre qu'il ne marchait pas ce camping. Un camping municipal comme nous les aimons. De beaux emplacements, du calme, et le centre d'Auxerre à 15 minutes à pied, le top. Dans la mouvance des congés payés, les campings municipaux semblent appartenir à l'histoire de France. Placé juste en face du stade, c'est l'endroit idéal si vous voulez y voir un match. Le centre-ville est un peu plus loin à pied. Les services et les sanitaires sont au top et on a eu un excellent accueil. Un plus pour la GIA, avoir un camping à côté pour permettre aux supporters qui ne roulent pas sur l'or de venir de loin et de dormir sur place à petit prix. Installation aux allures de parc avec de vieux arbres et des places de parking spacieuses, entourées d'installations sportives. Sanitaire propre et tout fonctionne. Le camping sera fermé fin octobre, disait cette dame. Non, disait ce monsieur, campeur allemand, qui déplorait donc ce fait. Le propriétaire du stade souhaite y construire des places de parking. Des places de parking au lieu d'un parc ? Quiconque planifie et approuve une telle chose n'a pas reconnu les signes des temps. Scandaleux et très, très, très... Quelques mots sur la nécessité, est-il encore nécessaire de le rappeler, de prendre soin de la nature. Il peut paraître banal d'affirmer que la nature nous fait du bien. Le seul fait de la contempler est source de bien-être. Pourquoi les espaces verts nous apaisent-ils? Ils offrent une respiration, ils limitent la pollution de l'air, et les températures extrêmes. Et mon joli. En ville, la pollution sonore est importante.
Les espaces verts nous offrent du calme, de la sérénité, une meilleure hygiène de vie pour une meilleure santé. Plusieurs études ont mis cela en évidence. Alors, je me suis amusée à pianoter et rechercher sur des sites par-ci, par-là. Donc, j'ai vu au passage une étude sur le mode de vie scandinave, peut-être certains en ont-ils déjà entendu parler, qui s'appelle Friluftsliv, passer du temps en plein air, ou les bienfaits pour la santé. Et autre chose, une étude espagnole publiée en décembre 2022. Est-ce que quelques-uns, certains, ont entendu parler de la règle du 3-30-300? Pour ma part, je n'en avais jamais entendu parler. Donc, cette étude espagnole, publiée en 2022, a établi quelle quantité de nature ou d'espace vert serait nécessaire dans nos villes pour que nous soyons bien. Le forestier urbain Cécile Konijendijk a ainsi théorisé la règle du 3-30-300. Je vous explique. Comme quoi, tout simplement, il faudrait voir au moins 3 arbres depuis son habitation, occuper un quartier contenant 30% d'espace vert et vivre à environ 300 mètres d'un parc. Étude effectuée sur environ 3000 personnes qui a révélé l'insuffisance de leur exposition à la nature. Tout le monde n'a pas la chance de posséder un jardin. Voilà, on peut en dire encore bien long sur le sujet. Hein. Je pense que vous ici, vous êtes tous persuadés des bienfaits de la nature, de l'importance. Donc respectons-la, ne la massacrons pas et ne saccageons pas. Quelques paroles qui étaient prévues ont eu lieu. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Son petit grain de sel ou pas? Ah, on a un candidat. Je vais donner le micro. Je m'appelle Michel Tate, je fais partie de la DENI, et puis des RAD et tout ça, on se connaît. Je rapproche. Moi, la question que je me pose, c'est, les commerçants ont beaucoup à perdre sur cette opération-là. Est-ce que les commerçants ont été approchés? Est-ce que la Chambre de commerce a pris une position? Est-ce qu'il est nécessaire de faire une action de ce côté-là? Parce que je trouve que vraiment, en se basant strictement sur le plan de l'économie, il y a quelque chose à creuser. Bon, pour le reste, alors moi, voir détruire des arbres, j'arrive pas à y croire, quoi. C'est impossible. Mais il faut peut-être s'appuyer sur les forces vives, sur ce qui rapporte de l'argent. Voilà. Est-ce qu'une action a été prévue? Moi, je veux bien participer à cette action. Oui, merci. Merci beaucoup. Effectivement, on va pas s'arrêter là, parce que... pour l'instant, on attend le résultat du tribunal administratif, mais on va continuer à faire des actions, ou ici, ou près du camping, ou autre part. Enfin, on va inventer des choses de façon à maintenir le sujet dans l'actualité. Il est hors de question que ça disparaisse et que les choses se fassent sans qu'on ait notre mot à dire. Donc, je vous remercie d'être venus. Je vous remercie de votre mobilisation. Soyez attentifs, surveillez vos réseaux sociaux et la presse écrite, la presse radiophonique ou télévisuelle, et tenez-vous au courant. Et puis, popularisez nos idées auprès de vos amis. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Hein. Merci, au revoir. On a une candidate qui veut camper. Est-ce que tu as amené à Duvet quelque chose?